tu es en haut? Tout va bien? On t'attend pour couper le gâteau. Waouh! Elles sont incroyables! Oui. C'était une époque incroyable. Cet uniforme t'allait vraiment bien. Ce n'est pas moi, c'est Matteo. Oh, bien sûr. Désolé, papa. Prends tout le temps que tu veux. Non, non, c'est bon, tesoro. Il est temps que je te raconte ce qui s'est passé. C'était lors de notre dernier combat ensemble, à peine quelques jours après notre 21e anniversaire. Le bataillon de mon frère avait reçu l'ordre de capturer un fort enfoncé dans le territoire ennemi. Je ne suis pas parti avec lui. Je faisais partie d'une unité spéciale avec une mission différente. Notre objectif était de soutenir le bataillon de Matteo. Nous étions une unité très fière. Nous changions le cours de la guerre pour l'Italie. Les Arditi. En éliminant tout ce qui pouvait menacer son unité. Tu viens juste de commencer ton histoire et j'ai déjà peur pour toi. Mais non, je portais une armure. En plus, les Altiti étaient de fiers engagés volontaires. On était prêts à donner notre vie pour l'Italie. Une église se trouvait sur notre route. Les troupes ennemies l'avaient fortifiée. Impossible de passer sans les affronter. D'artillerie qui pilonnait l'unité de Matteo. Il fallait que je la détruise. Il se dirigeait toujours vers le fort.
Oui. Je devais faire tout mon possible pour qu'il l'atteigne. Était en danger à cause de cette pièce d'artillerie. Je devais absolument la neutraliser. Une seule solution pour assurer la sécurité de mes hommes, faire sauter le canon. Thank you.
À mes yeux, cette explosion fut l'un des plus beaux spectacles de cette guerre. Mais il n'y avait pas un instant à perdre. Je voyais un canon anti-aérien sur la crête suivante qui abattait nos avions. C'était ma prochaine cible. Des soldats austro-hongrois étaient postés au canon. Si je voulais pouvoir l'utiliser, il fallait d'abord que j'élimine ces servants du canon. J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers, et il fallait que je les abatte tous. On n'avait aucun renfort. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement, et j'aurais perdu Matteo. Avions tombés. Les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Matteo. Je ne pouvais pas lâcher prise. Sous ton armure ? Bien sûr, bien sûr. Rien ne pouvait la briser. Et alors, les avions ont fait demi-tour. Thank you.
Et quand je me suis relevé, je me suis dit que j'étais mort et que j'étais en enfer. Ils ont fait sauter la montagne. Ils nous ont enterrés, nous et leurs propres hommes. Oh, Seigneur, Matteo. Je devais le trouver. Alors, j'ai foncé dans cet enfer. Je n'avais pas d'autre choix. Je devais trouver Matteo. Mais il aurait pu être n'importe où. Alors j'ai commencé par la première chose sur laquelle je suis tombé. Des alliés étaient coincés dans des chalets. Je devais les aider. On les a entendus avant de les voir. Des véhicules blindés qui venaient du fort ennemi. Mais tu n'avais plus ton équipement? Les ennemis avaient laissé des caisses d'armes dans les chalets. On s'est servi dedans et on s'est préparé. Seule volonté de fer nous a permis de détruire leurs blindés. Maintenant que les chalets étaient tirés d'affaire, je devais continuer. Au fait, tu ne m'as pas dit, est-ce que Matteo était dans ces chalets? Non. Les hommes m'ont dit que son unité avait avancé. Chaque partie.
partie de mon être désirait sortir de ces tranchées. Mais j'entendais des Italiens crier. Je savais que mes amis étaient piégés. Partout où je regardais, il était trop tard. Je me sentais seul parmi les fantômes. Au bout d'un moment, je ne pouvais même plus regarder les corps. Il était forcément arrivé au fort. Yeah.
J'ignore comment, mais je savais que Matteo n'était pas là. Je pense toujours à cet endroit. Chaque jour. J'avais presque renoncé à chercher, avec l'espoir que Matteo s'était échappé. Et puis... Non ! Non ! Et moi, je suis toujours là. Qui décide de tout ça ?